Eh bien, c'est tout le monde, c'est Médecin, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 14 octobre 2020. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on a une compétition de saut d'obstacle. Première fois sur le jeu d'ailleurs qu'on a une vraie entre guillemets compétition. Bon, je pense que ça va se dérouler comme une course, mais on va dire que le parcours est un peu plus travaillé de ce que j'ai pu voir sur les photos. Donc, on va voir ça ensemble. On a également du coup un code qui nous donne une petite veste pour aller avec, qu'on va aller voir tout de suite. Et sinon, autre nouveauté, donc la semaine prochaine ce sera Halloween, de ce que j'ai compris, en tout cas avec ce qui est écrit en dessous. Et une petite modification de la discussion instantanée qu'on regardera juste après. Alors après aussi, là ce que je voulais juste redire en début, c'est que vous voyez que cette vidéo sort tard. Donc ça je vous l'avais déjà indiqué, que maintenant les mises à jour seront très tard. Parce que bah, je travaille jusqu'à 18h et le temps de rentrer, ça fait que les mises à jour, bah, je ne peux pas les faire plus tôt. Donc je vais essayer de décourter au max les mises à jour qui sont courtes pour que bah, ça sorte le moins tard possible. Après les mises à jour longues comme Halloween, bon bah ça sortira tard, donc je pense que beaucoup la regarderont le jeudi. Mais c'est ainsi, je ne peux pas faire autrement. Bref, vous avez compris. Mais putain. Fuck. Non, je veux pas roleplay, non, je suis pas là pour ça. Bon, alors attendez, du coup, on va aller voir ça. Donc, alors, sur la discussion, donc on va se mettre dans mon truc de club. Et en fait, alors maintenant, quand vous dites quelque chose qui est inapproprié, ça va pas vous censurer, ça va pas vous sanctionner tout de suite. Ça va vous mettre un message d'alerte normalement pour vous dire attention, ce que tu dis, c'est pas bien, essaye de changer. Donc, c'est. Ils l'ont mis en France, avant c'était qu'au Royaume-Uni, je crois, maintenant c'est en France, en Espagne et tout, mais pas partout. Donc, vu que chez nous ça fonctionne, on va essayer. Alors, ça, normalement, je crois que c'était censuré. Non, c'est plus censuré. Mon prénom était. Enfin, mon prénom de jeu était censuré, il ne l'est plus. Ah, si je veux dire, bah tiens, un truc anglais. Merde. Mais par contre, ils ont dit qu'ils avaient modifié des mots et tout. Donc il y a peut-être des trucs qui vont passer. Je sais pas si je mets. Putain, on peut parler anglais maintenant? Qu'est-ce qui va être inapproprié? Ça? Ah voilà. Par exemple, téléphone. Ton message n'a pas été approuvé pour la discussion instantanée. Ok. Donc vous voyez, maintenant ça fait ça et c'est quand même plus agréable. Mais maintenant on peut parler anglais du coup maintenant? What the fuck? Peut-être, je sais pas. Bon, du coup on s'en fout. Mais vous avez vu, ça au moins c'est cool parce que c'est beaucoup plus agréable. What the fuck? C'est passé quoi? Pour la discussion instantanée. Donc, ah, mais j'ai plus de place pour là-dessus. Putain. Bon, on s'en fout. On verra plus tard. Alors du coup, on va regarder le petit truc qu'on a eu. Bon, évidemment, il n'a pas de stats, hein, ça fallait s'en douter. Mais en gros, donc du coup, c'est une petite veste. Alors, on va mettre le jour. Alors, je l'avançais plus cintrée, honnêtement. Parce que là, elle est un peu. Bon. Mais elle n'est pas dégueu. Donc, elle est bleue, rouge et blanche. Il y a le logo HM. Et des petites couronnes sur ça. Alors, oui, parce que vous allez dire, pourquoi HM, machin, qu'est-ce qui se passe? C'est. Alors. Alors, c'est le parcours qu'on a là en fait, c'est une. De ce que j'ai compris, alors je suis pas allée vérifier, mais c'est le même parcours qu'une compétition qui a lieu IRL en Suède. Et du coup, je crois que c'est exactement la même chose. Et vu que c'était une compétition, du coup, HM machin, alors je sais pas si le jeu, du coup, fait. Enfin, j'imagine du coup qu'ils font un partenariat avec HM pour ça. Et alors, bon, sans rentrer dans les détails, sinon on va pour 10 ans, mais ça me dérange un peu. Qu'ils fassent un partenariat avec H&M, enfin en tout cas c'est ce qui a l'air d'être fait, puisque avec Farah il nous disait ouais la fast fashion c'est pas bien, sauf que H&M c'est quoi? Voilà, vous avez deviné, c'est un jeu qui est très tourné vers l'écologie machin, sauf qu'une marque comme H&M c'est pas tout à fait sa ligne prioritaire, donc. Pour moi, ça passe un peu mal, dans le sens où ça représente pas du tout leurs valeurs, même l'éthique vis-à-vis du travail ou quoi. Ça représente pas du tout les valeurs, en tout cas, que eux nous disent vouloir respecter. Donc, ah, ça me fait un peu mal de les voir avec H&M. Hein. Je sais pas, je dis pas que. Alors, attention, par contre, je dis pas je vais jamais chez H&M. Alors, enfin, ça fait peut-être 2 ans que je suis pas allée, je sais pas. Mais j'y suis déjà allée chez H&M. Hein, je dis pas que je suis parfaite. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je prône pas. Enfin. Si, mais ce que je veux dire, je suis pas une marque qui est là, ouais, l'écologie c'est trop bien, et qui derrière, par contre, fait des partenariats. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que moi, ça passe un peu mal le truc avec H&M. Mais bon,
Voilà, on en développera plus tard si vous voulez, mais j'avoue que ça passe un peu mal. Par contre, son cheval ne bouge pas, son cheval est mort. Regardez, son cheval, c'est une statue. Très bien, bon, du coup, on va essayer le parcours. Coucou, je m'appelle Zuri, heureuse de te rencontrer. Tu as entendu parler du Grand Prix HM, c'est un événement de saut d'obstacles prestigieux qui a généralement lieu pendant le Salon international du cheval de Suède. Cette année, nous organisons une version de cette course ici même à Jorvik. Le parcours est exactement le même. Ok, donc c'est ça, c'est bien le cas. Que c'est un véritable événement, c'est comme si tu affrontais les légendes du saut d'obstacles comme Malin, Baryard et Peder Fredriksson. J'arrive pas à prononcer les noms. J'ai toujours rêvé de participer à un Grand Prix, toi aussi, alors n'hésite pas à participer à la course, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. En gros, c'est juste une course normale. Hein. Mais, par contre, ouais, les obstacles sont tellement stylés. Par contre, ils sont immenses, hein. What the fuck. Par contre, c'est stylé, oh, c'est trop beau. Non, par contre, le parcours a l'air super beau. Par contre, les obstacles, ils sont trop grands. Hein. Il y a un problème de taille. Hein. Waouh. Par contre, oh, non, par contre, le parcours est beau. Pour une fois, là, par contre, les obstacles, ils sont magnifiques. Contrairement à ce qu'on connaît. Enfin. Genre vraiment, il y a vraiment eu un effort de fait sur les obstacles. Ça fait plaisir. T'as un triple, waouh. Waouh. Eh, c'est trop bien. Eh non, mais c'est trop bien par contre. Quoi? Je suis partie du mauvais côté là, non? Par contre, ouais, non, le parcours il est beau. Hein. Genre vraiment, même les barres, on regardera en détail tout à l'heure, mais les barres, elles sont entre guillemets plus travaillées. Et par contre, le parcours là, il a vraiment du sens. Vu que c'est un parcours qui existe IRL, forcément, ils ont dû se tenir. Par contre, ouais, ils sont énormes les obstacles. Hein. C'est vrai que nos chevaux sautent haut, mais j'avoue que waouh. Et par contre, c'est trop stylé, j'aime trop. Eh non, par contre, ça, j'aime bien. Alors bon, la mise à jour est pauvre, hein, du coup, en contenu. Mais par contre, j'avoue que là, le parcours, il est méga stylé pour une fois. Donc bon, après, par contre, bon, c'est juste une course, hein, du coup, hein, fallait pas s'imaginer grand-chose. J'aurais imaginé que Linda aurait été là, vu qu'elle aime bien le CSO, mais bon. Enfin, elle aime bien le CSO. Les CSO plutôt, ça c'est plus français. Mais bon. C'est vraiment impressionnant, t'as vraiment montré au public tes dons de cavalière, n'hésite pas à venir quand tu veux réessayer. Bon, on va réessayer, mais. Mais du coup, je suis un peu déçue par contre que ce soit juste ça qui est même pas. Enfin, ok, c'est juste. Tu refais le parcours. IRL, d'accord. Par contre, il est trop, 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 trop beau le parcours. Alors, par contre, je vais pas faire la miniature sur un des obstacles où il y a écrit HM parce que sinon je vais peut-être me faire strike. Donc, on sait jamais. Hein, on va prendre autre chose. Comme ça, on va prendre un obstacle sur lequel on va faire la miniature. Alors, par contre, les couleurs des barres, waouh, ça pète les yeux quand. C'est pas très, très beau. Waouh, attendez, je fais une. Oh, mais ça, c'est Idriss. Putain, j'avais pas vu. C'est Idriss, putain. Mais oui, c'est Idriss. Oh, vas-y, je prends cet obstacle-là. Ah ouais. Ouais, Idriss. Alors, on va mettre la journée, par contre. Donc, alors là, si on regarde un peu vite fait, regardez les barres, on voit le bois, quoi. On voit les détails dessus. Donc, vraiment, là, les obstacles, ils sont méga travaillés. C'est vrai qu'avant, ils travaillaient pas beaucoup les obstacles. Enfin, les barres étaient pas très, très belles. Les chandeliers, ils les avaient retravaillés, mais par contre, les barres étaient pas retravaillées du tout. Et là, par contre. Là, c'est beau par contre. Genre, en vrai, par contre, les obstacles, ils ont vraiment fait un effort dessus. Genre, ils ont fait du décor et tout. Bon, à part que là, vous voyez le truc circus. Là, c'est invisible de derrière, alors que pas de devant. Mais par contre, non, c'est grave, grave, grave stylé. En vrai, j'aime bien. Non, en vrai, je valide, même si j'aurais espéré que ce soit. Enfin, je valide le parcours et les obstacles. Par contre, j'aurais vraiment espéré que bah, ce soit plus que juste ça, quoi. Mais du coup, alors bon, on va faire la miniature ensemble du coup. Hein. Par contre, ouais, les obstacles Idriss, là, c'est terrible. Bon, par contre, les autres, la couleur, ça fait mal aux yeux. Hein. Genre les verts et rouges et. Oh là là, les couleurs. Enfin, les couleurs sont pas très belles. Hein. Par contre, voilà, ouais, j'avoue que le village du Cap Ouest, il est représenté un peu bizarrement, mais bon. Sais pas quoi prendre, tout est beau comme photo, regardez-moi ça. C'est incroyable ça. Voilà, c'est trop foncé, ça a peint. Non, c'est pas ça que je voulais faire. T'aimes ça, c'est beau, quoi. Bref, en tout cas, les obstacles, ils sont super beaux. Donc j'espère qu'ils nous referont des obstacles comme ça, parce que. Et là, vraiment, la spa, elle est trop belle. Même les auxerres, maintenant, ils ont enfin compris qu'ils pouvaient nous faire des auxerres. Et voilà, ouais, la spa, elle est belle et tout. Enfin, c'est incroyable. Il y en a un autre là-bas, d'ailleurs. Mais par contre, la taille des obstacles, enfin, nos chevaux sautent cette hauteur-là, mais c'est vrai que les obstacles ont généralement une taille plus petite.
Du coup, c'est vrai que là, c'est un peu choquant, mais ok. Alors, par contre, là, ça me dit de tourner. Ah oui, donc tu tournes là. Ouais, c'est juste que c'est un peu court en fait. Là, faut passer. Ok. Je me disais bien. Bon, on va finir hein, du coup la deuxième fois, mais. Mais ok. Leonardo. Ah ouais, c'est terrible. En fait, ils ont utilisé. Ça doit être peut-être le Purple Pony, je sais pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est. Non, c'est mignon qu'ils aient utilisé les sponsors. Enfin, des sponsors du jeu, mais bon, aussi le sponsor du coup IRL. Ok, par contre, j'adore le parcours. En vrai, enfin, c'est surtout les obstacles en fait que j'adore. Mais ok. Bah, du coup, c'est tout. Je suis désolée à un autre, mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Parce que, bon voilà, une petite présentation tranquillou, mais c'est toujours sympa. Mais par contre, en vrai, le parcours est trop beau. Par contre, ouais, bon, c'est juste un parcours, une course, quoi. Je pensais qu'il y aurait un plus gros truc autour de ça, mais non. Mais le parcours est stylé, les obstacles sont stylés, donc c'est cool. Mais moi, j'attends la semaine prochaine avec Halloween. Donc voilà, bref, je vais arrêter tout de suite parce que sinon la vidéo va sortir vraiment tard alors que ben, y a rien à présenter, donc ce sera un peu dommage. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve du coup en fin de semaine pour des lives. Et voilà, bref, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, une bonne soirée, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Madison. Bye bye tout le monde.